Dans le cadre de Valisto, une plaquette qui est à votre disposition auprès de Monsieur Martin. Merci. À 14 reprises, ce son dévoile la Grande Guerre, une image d'horreur. Dans les années 1920, les anciens combattants étaient présidés jusqu'au-delà de 1950. Dans les lointains cimetières militaires, appartient en propre aux morts de la guerre. Elle est réservée leur désir, les noms et très importants. Cela redonne existence aux disparus et l'essor de l'oubli que ces morts sont produits. Onzième CM, décédé, où est ce gars et qui sera désormais inscrit sur ce monument, sur ce... Réseau, en tant que tout d'abord conseiller général de ce canton, mais bien en présent. Deuxièmement, c'est aussi, je tiens à le dire, en tant que fils d'ancien résistant, l'ex-colonel Michel, que je tenais à être présent dans cette manifestation patriotique quelques jours après où M. le Président de la République a décidé de rendre hommage au monde résistant, au monde combattant, pendant cette affreuse période, la vaillance et l'héroïsme de nos soldats à la reconnaissance et au souvenir de tous. Notre reconnaissance, oui, s'exprime à travers ce monument et nous nous devons de nous montrer dignes de leur combat en perpétuant, comme c'est le cas ici. Nous avons évidemment déjà pour la mémoire de toutes ces personnes qui ont l'honneur d'être présentes. La présence du monde combattant est extrêmement important, effectivement, d'avoir ce moment de recueillement ce matin, un sentiment fort d'émotion, un sentiment fort d'hommage, un sentiment fort de France féconde.